Je vous rappelle donc le classement pour les amoureux de la gym qui suivent en direct cette grande manifestation mondiale, les championnats du monde de finale par appareil. Voropaïev est en tête avec 9,70 devant Mijoutin, 9,625, et c'est maintenant au tour de Podgorny, Evgeny Podgorny, qui est entraîné par Arkaïev à Moscou, de réaliser la barrière. Et c'est manqué. Podium perdu aussi pour lui. On peut quand même apprécier le courage et la détermination de Podgorny, car placer un triple arrière en deuxième ligne acrobatique, c'est tout simplement extraordinaire. C'est un gros gros risque qu'il a pris, malheureusement. Ouais. Ça ne paiera pas. Puisqu'il fallait. Il a pris beaucoup de risques, peut-être justement pour gagner. Gagner. Et bien voilà. Podgorny attendra les Jeux d'Atlanta. Et là, oh là là, perturbé complètement, le Russe. Oui, difficile de se remotiver, de se reconcentrer quand on a fait une chute. Et il termine double tendu. Voilà. Et je me demande si Thierry Hens va pouvoir conserver sa cinquième place. C'est pas sûr, parce qu'il reste Tcherbo. Et Podgorny ne devrait pas récolter une note supérieure à 9500, 9600. Non, Podgorny devrait. Il est parti sur un programme très fort. Hein. Oui, mais il va rester derrière Thierry, puisque là, il y a chute, les deux mains étaient au sol. Donc la pénalité est beaucoup plus forte. On revoit le triple ici, et il est à genoux. Ouais, 9400 alors. Voilà, donc ça ne dépassera pas cette note. Par contre, Cherbo, lui, toujours précis, pile impériale, on le verra tout à l'heure. Risque de passer très facilement devant. Bon, Podgorny 925. Double tendu. Il est septième. Avant l'apparition de celui, oui, il se console auprès de son entraîneur.